America is back. Manantum. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم نبديك يا أقصى إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marie Mahamdou pour vous accompagner au micro. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a imputé mercredi aux États-Unis et à l'entité d'occupation la chute du président déchu Bachar el-Assad en Syrie. Nous avons la preuve, ces preuves ne laissent aucun doute, a-t-il déclaré dans son discours devant des milliers de personnes à la mosquée Imam Khomeini. Toutefois, l'Iran dit vouloir adopter une approche et des positions appropriées en fonction de l'évolution en Syrie et dans la région, ainsi que du comportement des acteurs sur le terrain, appelant à la poursuite des relations amicales avec la Syrie. Le ministre des Affaires étrangères iranien rappelle les positions de son pays. Nous, en tant que République islamique d'Iran, soulignons une fois de plus notre soutien définitif à la Syrie, au peuple syrien, au gouvernement syrien et à l'armée syrienne. Nous serons désormais aux côtés du peuple et du gouvernement syrien que nous l'avons été jusqu'à ce jour. Avec nous en ligne à partir de Téhéran, M. Ali Reza Mohammadi, vous êtes coordonnateur de House of Wisdom, maison de la sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. Monsieur Ali Reza Mohammadi, Ali Khamenei expliquait dans un récent discours qu'il s'agit d'implications extérieures. Toutefois, il dit avoir également alerté Damas de ce qui se produit aujourd'hui. Vous savez, le guide suprême, comme vous avez indiqué, que depuis 4 mois, on avait averti le gouvernement syrien, mais il a continué en disant que je ne sais pas si l'administration syrienne a fait passer le message au président ou pas. Il y a trop de choses à lire entre ces lignes, que je ne sais pas si l'administration syrienne a fait passer le message aux dirigeants de la Syrie ou non. Parce que ce qu'on a vu clairement en Syrie, c'était que de toute façon, le peuple syrien et l'armée syrienne n'a pas résisté. C'est tout à fait clair qu'ils n'avaient pas la motivation, ils n'étaient pas assez motivés de résister pour leur gouvernement ou, d'après notre point de vue, pour leur pays. De toute façon, l'armée aussi fait partie de la nation. On oui. sait que l'armée, c'est l'armée de la nation syrienne. Et comme toutes les armées dans le monde, généralement, il doit protéger la nation, pas forcément un gouvernement qui ne soit pas supporté par le peuple syrien. Laissez-moi préciser, est-ce que cela signifie qu'un maillon de la chaîne a empêché que ces avertissements arrivent à Bachar el-Assad? Regardez, cela signifie clairement qu'il y avait une grande partie de la nation syrienne, que l'armée aussi, ou une grande partie de l'armée aussi, il faisait partie de cette groupe, qui ne voulait plus d'Assad. Oui. Ça signifie clairement qu'il y avait une grande partie de la nation qui ne voulait pas d'Assad. D'ailleurs, nous aussi, depuis plus que 10 ans, l'État syrien, le gouvernement Assad, avait promis à tout le monde et à l'Iran aussi qu'il allait donner plus de participation à toutes les parties syriennes depuis 10 ans. Et donc, il avait 10 ans de temps pour cela et de toute façon, il n'a pas respecté ses promesses à cause de plusieurs raisons. Et donc, c'était normal que ça arrive. Tous les autres joueurs de la région aussi le comprennent. Assad lui-même aussi le comprend. L'Ayatollah Khamenei a tout de même rajouté ceci, Monsieur Ali Reza Mohammadi. Il a rajouté, nous étions prêts, même dans les circonstances difficiles. Ils sont venus me voir et m'ont dit qu'ils avaient préparé tous les moyens nécessaires pour les Syriens et qu'ils étaient prêts à partir. Mais le ciel était fermé, la terre était fermée, le régime sioniste et les États-Unis ont fermé à la fois le ciel de la Syrie et les voies terrestres et
inopiné, donc pas possible d'y aller. S'il n'y avait pas consensus, pourquoi avoir retenu cette deuxième partie du discours, M. Ali Reza Mohammadi? Oui, mais il a continué aussi en disant que de toute façon, il fallait prévenir cela. Il fallait que les Syriens, c'est-à-dire l'État syrien, prévient cette situation. Donc, oui, ça c'était pour le dernier moment. Il est clair que quand les Occidentaux, je veux dire l'OTAN, et les maîtres de la région d'après l'accord Sykes-Picot, et les États-Unis, quand de toute façon ils se préparent, ils ont un plan multilatéral pour occuper la Syrie, donc il prévient tout ce qu'il faut. Et donc c'est pour cela que le guide suprême aussi, il a indiqué qu'il fallait que l'État syrien prévienne cette situation. Mais tout ça, c'est-à-dire ce discours, c'était pour répondre à tout ce qui se passait dans les médias iraniens. Et donc il y avait un recours pour l'intérieur de l'Iran pour répondre aux questions qui circulaient dans les médias. Mais la vérité, c'est que de toute façon, dans n'importe quel pays du monde, si jamais on voit pas la population, notre population dans l'équation, donc tôt ou tard, on va céder au pouvoir. Si on voit la population dans l'équation, on va continuer. Monsieur Ali Reza Mohammadi, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coordonnateur de House of Wisdom, maison de la sagesse de Téhéran, un think tank des affaires internationales iraniennes. À ce sujet, monsieur Reza Mohammadi, doit-on parler aujourd'hui de l'établissement de nouvelles relations entre Téhéran et Damas? Comment Téhéran envisage les relations futures avec la Syrie? Regardez, Syrie, de toute façon, c'est un pays qui est né d'après l'accord de Sykes-Picot, d'après l'accord qui date de 1916. Et maintenant aussi, ce qui se passe, non seulement en Syrie, mais dans notre région, c'est-à-dire au Palestine, au Liban, au Syrie, précédemment à l'Irak, peut-être bientôt aussi à nouveau à l'Irak, en Arménie, et peut-être dans un futur proche en Turquie, au sud de la Turquie. Ce sont tous les différents volets de l'accord Sykes-Picot que les Occidentaux, plus la Russie, avaient mis en place. Avec ce contexte, il faut analyser aussi le comportement de la Russie en Syrie, parce que de toute façon, une force planétaire qui fait partie des membres permanents de le Conseil de la sécurité des Nations Unies qui était présent en Syrie, c'était la Russie, et que la Russie aussi, de toute façon, il a laissé les événements arriver. Donc en vérité, ce qui est plus important, c'est le rôle de la Russie en Syrie et son rôle dans le monde et tout ça. Mais je disais que Syrie, de toute façon, c'est un pays dans notre région qui a de bonnes relations avec l'Iran, le peuple syrien. Oui. Le peuple syrien a de bonnes relations avec le peuple iranien. C'est très important. Culturellement, on est trop proche, et culturellement et politiquement. Et on a le même destin dans notre région. Donc les relations Damas-Téhéran seront toujours de bonnes relations. Personne ne peut créer des mauvaises relations entre Damas et Téhéran, parce que tous ceux qui règnent au Damas, ils sentent la nécessité d'avoir un support devant l'OTAN, devant l'Israël, devant les Occidentaux qui veulent diviser la Syrie, donc ils n'ont pas d'autre choix que de s'aligner avec les forces régionales. Vous dites cela, je rajoute toutefois, Monsieur Ali Reza Mohammadi, que l'Iran était présent en Syrie de façon plutôt importante, on va dire. Il y avait la présence, ou en tout cas on doit noter, la présence de conseillers militaires iraniens en Syrie. Est-ce que ceci pourrait être envisageable dans les mois à venir, Monsieur Ali Reza Mohammadi? Toujours envisageable, parce que nous, on ne voit pas le territoire, on voit la foi du peuple syrien. Regardez, on est dans une région qui subit des pressions occidentales à cause de sa richesse. Tous les peuples de notre région ont senti la pression occidentale. Dans leur inconscience, ils ont de la résistance envers les Occidentaux. Et donc, les Occidentaux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ça. Il ne s'agit pas que d'Occident, Monsieur Ali Reza Mohammadi. Il s'agit également d'une entité d'occupation, en l'occurrence Israël, qui envahit des territoires. Le Golan, par exemple. L'Iran ne s'est pas prononcé de façon directe sur ce sujet. Comment l'Iran compte-t-elle parer à ce danger? Regardez, la Syrie a une grande nation qui date des millénaires. Cette nation syrienne a une grande partie qui ne veulent pas l'occupation israélienne, qui ne veulent pas l'imposition occidentale. Cette grande partie de la nation, elle va résister d'une manière ou d'une autre. Ils ont besoin de support, on va les aider. Mais aujourd'hui, comment envisagez-vous cette aide? Car cette dernière doit être coordonnée par les autorités en place. Ça dépend des autorités en place. Si jamais cette grande nation, si jamais une partie de la nation syrienne s'oppose aux politiques de l'autorité en place, ça montre que l'autorité ne restera pas pour longtemps. Et donc, le type de support et de soutien est différent.
Si jamais l'autorité en place, l'autorité qui arrivera en Syrie aussi, pense comme la nation syrienne et décide de s'opposer à l'occupation, et donc l'autorité aussi, il va collaborer directement avec l'Iran. Donc, regardez, il y a deux scénarios. Soit l'autorité qui arrive au pouvoir, ils ne veulent pas de l'occupation, et donc il a besoin de l'aide parce que l'Israël a bombardé toutes les infrastructures de la Syrie. Donc l'autorité, s'il ne veut pas de l'occupation, il va demander de l'aide à l'Iran, à l'Irak, au Liban, à la Russie, à tout le monde. Et donc on va les aider. Soit l'autorité qui arrive en place, il est aligné avec les forces occidentaux, avec l'OTAN et avec l'Israël. Dans ce cas, c'est la nation syrienne qui va résister. Inconsciemment, il va résister. Sans l'Iran. Et à partir de maintenant, si la question c'est qu'on va les aider, oui, bien sûr, on va les aider. Regardez, nous, notre but, c'est clair. Il faut faire d'une sorte que la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire des frontières chinoises jusqu'aux frontières de la Méditerranée, soit en paix. Cette situation ne se réalisera pas, sauf si les peuples de cette région soient compris. Quand vous dites « soient compris », c'est-à-dire ? C'est-à-dire, les Afghans ont besoin de la sécurité et ils ont une idéologie et ils ont une histoire et il faut les respecter. Les oui. Iraniens de la même manière, les Irakiens de la même manière, la Syrie, le Liban, les Palestiniens, oui. Les Arabes de l'Arabie Saoudite, tous les pays de la région. Il faut qu'ils soient respectés. Ils ont une grande histoire, ils ont une culture, donc il faut les respecter. La paix arrive dans cette région, sauf si ces nations soient respectées. Si j'entends bien ce que vous nous dites, M. Ali Reza Mohammadi, le facteur prépondérant pour l'Iran aujourd'hui, ce n'est plus le pouvoir politique à Damas, mais les populations qui, eux, aujourd'hui, vont devoir donner le « là » de toute situation. C'est exactement ça. Regardez, nous, on a un regard différent sur le monde. Notre regard, ce n'est pas comme le regard des Occidentaux. Les Occidentaux, ils ont une histoire. Depuis Westphalie et la division des frontières et tout ça, et la propriété et tout, et le système, ils sont héritiers du système féodalisme. Ils croient aux maîtres et valets. Ils se comportent comme les maîtres du monde et ils croient le reste du monde des valets. Ça, c'est leur culture. Ils se comportent comme ça. Tout ce qu'ils ont créé, c'est une couverture sur ce système. Ils sont en train de le montrer depuis un an et demi aux Palestiniens, à Gaza, et tout le monde est en train de le voir. Leurs médias aussi aident toute la population mondiale de très, très, très bien comprendre que ce système de maître et valet doit fonctionner et vous n'avez pas d'autre choix. Ça crée de la résistance dans l'inconscience de tous ceux qui sont considérés des valets. Dans ces conditions, M. Ali Reza Mohammadi, pourquoi est-ce que l'Iran a soutenu Bachar el-Assad en dépit du fait que sa population subissait le martyre dans sa chair? Parce que rien ne se réalise s'il n'y a pas de la sécurité. Je répète, parce que rien ne se réalise s'il n'y a pas de la sécurité. Syrie d'aujourd'hui, qui n'a pas de la sécurité, que sa situation peut être aggravée par des guerres internes et tout ça, ne peut pas réaliser même une démocratie. Mais quand il y a de la sécurité, c'est à partir de maintenant qu'on peut parler de la participation des gens, de la participation de la population, de la démocratie et tout ça. Le pouvoir politique à Téhéran a demandé ou demande depuis une dizaine d'années à Damas d'introduire l'opposition dans les divers processus démocratiques politiques, dans les divers processus politiques pour éviter un dérapage total. Exactement. Regardez, depuis les 10 dernières années, en Iran, on a changé. En Iran, tout d'abord, on était sous pression mondiale. On subissait et on subit tous les embargos. Le président américain promettait d'anéantir la vente du pétrole iranien et tout ça, c'est-à-dire plein de pression, beaucoup de problèmes. Mais on a changé 3 présidents. On a élu 870 parlementaires oui. Et des milliers de maires. Par contre, en Syrie, rien ne s'est passé. Donc, il fallait que Bachar, regardez, je parle exactement de Bachar, pas de la famille Assad, parce que son père, d'une autre qualité, je précise, d'une autre qualité. Mais Bachar, pendant ces 10 dernières années, il avait promis à tout le monde, non seulement l'Iran, à la Russie, à la Turquie, aux Occidentaux, à tout le monde, qu'il ouvre la scène politique à la population syrienne. Il fallait qu'il l'ouvre. Il ne l'a pas ouvert et donc il a perdu le soutien du peuple syrien. Il y a 10 ans, la situation de la Syrie, ce n'était pas comme ça. Il y a 10 ans, Bachar el-Assad, il était le seul qui pouvait apporter la sécurité pour la Syrie devant le Daesh. Maintenant, après 10 ans, c'est autre chose. Il fallait qu'il se comporte mieux durant ces 10 dernières années. D'ailleurs, nous-mêmes, House of Wisdom, Maison de la Sagesse, nous-mêmes, il y a 2 ans,
On avait des réunions avec le bureau des études stratégiques de la présidence de la Syrie. On les a avertis. Nous-mêmes, on les a avertis que de toute façon, vous êtes en retard par rapport à ce que vous avez promis à tout le monde et vous ne pouvez pas négliger la population. Et que vous répondaient-ils quand vous leur disiez cela, monsieur Ali Reza Mohammadi? Il nous promettait qu'il allait faire toutes les choses nécessaires. De toute façon, il nous listait plein de problèmes qu'il existe là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas quoi, des issues, des astuces et tout ça. Mais tout ça, de toute façon, ça donne ce résultat que vous voyez. Monsieur Ali Reza Mohammadi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ali Reza Mohammadi est coordinateur de House of Wisdom, Maison de la Sagesse de Téhéran, le think tank des affaires internationales iraniennes. Et il était avec nous à partir de Téhéran. Quelle relation compte entretenir Moscou avec le pouvoir politique actuel à Damas? Les autorités russes sont en contact avec les représentants des différentes forces en Syrie, a déclaré ce mercredi 11 décembre Maria Sakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Les bases militaires russes seraient maintenues en Syrie, c'est ce qui vient d'être annoncé. La porte-parole du gouvernement russe évoque cette présence. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les bases militaires russes sur le territoire de la République sont en état d'alerte. Mais il n'y a pas de menace sérieuse pour leur sécurité à l'heure actuelle. Avec nous en ligne à partir de Moscou, Monsieur Nicolas Sokhov. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chercheur à l'Académie Primakov de Moscou. Monsieur Nicolas Sokhov, quelle relation envisage d'entretenir Moscou avec Damas? Et comment jugez-vous la situation actuelle? La situation a diamétralement changé. Les nouvelles autorités, cette administration appelée gouvernement de salut, se sont rendues dans toutes les ambassades situées à Damas et leur ont proposé de rester. Je peux affirmer que la situation est sous contrôle et que les contacts avec la nouvelle administration se poursuivent, espérant que la Russie maintienne également ses liens avec cette administration. Les bases militaires, M. Nicolas Sokhov, russes et l'ambassade à Damas sont tout de même restées intouchables. Il faut le préciser aux auditeurs. Berrah min al-wad, as-safara al-russiya fi Damask, wal-qawa'id al-askariya lam yalmasha ay darar, Sayyid Nicolas Sokhov. La, ma fi darar muhim. Aucun dommage n'a été signalé. Les bases militaires ainsi que l'ambassade sont toujours présentes et tout se déroule dans le calme. Actuellement, un commandement militaire russe est en discussion avec la nouvelle administration pour organiser le retrait partiel des unités militaires russes du territoire syrien. Ce retrait ne concerne pas l'ensemble du territoire, car il est bien connu que les forces russes étaient présentes à divers points stratégiques en Syrie. Cela inclut El-Kamishli et El-Haska, au nord, dans la région de l'Euphrate, sous contrôle américain et kurde, où les Russes étaient également présents, ainsi que dans le sud, à Dar'a et à Souaïda, où se trouvaient également des points de soutien russes. De même, dans la région du Golan, à la frontière entre la Syrie et Israël, il y avait des postes d'observation russes en coopération avec les Nations Unies. Nous savons que depuis 2015, la Russie est fortement présente en Syrie avec 5000 hommes et une cinquantaine de chasseurs et de chasseurs-bombardiers. La Russie avait obtenu l'accès à deux bases militaires cruciales, la base navale de Tartous avec un accès permanent aux mers chaudes et la base aérienne de Khomeimim. Les bases aurait été évacué par la Russie. Quel avenir militaire stratégique envisagé entre la Russie et la Syrie dans les semaines, voire les mois à venir, Monsieur Nicolas Sokhov? L'idée est que les Russes ne souhaitent pas évacuer toutes leurs bases. Par conséquent, les effectifs resteront sur place jusqu'à la conclusion des négociations entre le gouvernement russe et le nouveau gouvernement syrien.
Comme je l'ai mentionné auparavant, de nombreux soldats et officiers russes stationnés à travers toute la Syrie se sont regroupés dans des bases militaires. Une partie devra être rapatriée en Russie, tandis que ceux qui servent dans les bases maritimes et aériennes resteront jusqu'à ce qu'un accord officiel soit trouvé entre les deux gouvernements, à savoir le nouveau gouvernement de salut récemment formé et le gouvernement russe. Quelles sont les garanties qui ont été amenées, ou est-ce que Moscou a demandé des garanties pour cela, monsieur Nicolas Sokhov? Moscou n'a pas exigé de garantie de la part des Syriens, car ces derniers les avaient déjà accordées au préalable. Par ailleurs, Ahmed al-Shara, connu sous le nom d'Abu Mohamed al-Julani, a déclaré que les Russes et les Chinois bénéficiaient de garanties offertes par les nouvelles autorités et que les forces armées ne leur causeraient aucun tort. Est-ce que l'on pourrait aujourd'hui parler d'un deal conclu en ce sens, M. Nicolas Sokhov? Il s'agit de garanties importantes, notamment l'assurance que les combattants n'attaqueront pas les Russes. Aujourd'hui, cette garantie est effective, et en réalité, nous n'avons observé aucune attaque ni aucun préjudice visant des civils ou des militaires russes. Comment le Kremlin va dorénavant sécuriser ses intérêts en Russie, monsieur Nicolas Sokhov? Les intérêts de la Russie se concentrent principalement sur le maintien de ses bases militaires en raison de leur importance géostratégique. Ces bases constituent un point de départ pour son expansion en Afrique et un levier pour défendre ses intérêts économiques dans cette région, ainsi qu'un point logistique stratégique en Méditerranée orientale. C'est pourquoi le maintien de ces bases demeure crucial, et selon les déclarations officielles des parties russes et syriennes, ce sujet figure en tête des négociations futures. Monsieur Nicolas Sokhov, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur à l'Académie Primakov de Moscou. Vous connaissez fort bien la Syrie, puisque, comme vous nous le disiez en début de cet entretien, vous êtes resté plusieurs années en Syrie. Monsieur Nicolas Sokhov, 480 frappes ont été menées en Syrie qui ont ciblé des sites militaires stratégiques menés par l'occupation sioniste ou par les forces sionistes. Est-ce que ceci pourrait nous pousser à penser qu'il y a eu comme une forme de cartographie dont dispose aujourd'hui Israël? Précédemment, ces sites n'ont pas été pris pour cible. Comment l'expliquez-vous, monsieur Nicolas Sokhov? Israël se limite à occuper des territoires sous prétexte d'assurer la sécurité de sa population. Cet alibi s'appuie en fait sur une connaissance précise des mouvements dans toute la région, obtenue notamment grâce à la reconnaissance satellitaire américaine. La question est très claire. À l'époque, le régime de Bachar al-Assad était considéré comme le gouvernement légitime. De plus, des accords internationaux étaient en place. Je rappelle que Netanyahou a déclaré que l'accord de 1974 était caduc. En s'appuyant sur cet argument, Israël justifie ses interventions en Syrie pour prétendument protéger sa sécurité. Ce prétexte dissimule en réalité ses crimes sous le couvert de la légalité, en affirmant que cet accord est désormais terminé. Par ailleurs, la présence iranienne en Syrie via des milices proxy était un facteur déclencheur de riposte. Chaque attaque contre ces forces provoquait des représailles, comme nous l'avons vu lorsque l'axe de la résistance a tiré des centaines de missiles sur Israël, suscitant une grande crainte. Cependant, aujourd'hui, une telle force n'existe plus. Il est difficile d'imaginer à quel point l'armée syrienne est affaiblie. Elle ne dispose pas de missiles antiaériens ni d'autres moyens de défense. Les infrastructures militaires et civiles
ont été détruites et les armes ainsi que les avions restent inutilisés dans leurs dépôts sans qu'aucun soldat ou officier ne puisse intervenir. سيد نيكولاس سوخوف هل فوجئت موسكو بالتغيرات الحديثة التي جرت في سوريا؟ Est-ce que Moscou a été surpris par le bouleversement soudain qui s'est produit en Syrie? Je crois que les dirigeants russes ont été surpris par la rapidité de ces évolutions et par leur issue. تفاجأت يعني بتطورات السريعة أو بتطورات في حد ذاتها لأن إذا تفاجأت يعتبر هذا إخفاق معلوماتي هناك كانت تقارير وأنا شخصيا كمحلل Il existe bien des rapports et moi-même en tant qu'analyste et consultant j'ai étudié avec mes collègues des analyses couvrant au moins les 5 dernières années. Ces rapports mettaient en évidence la dégradation de l'économie syrienne et le recul de son armée. Ces informations, madame, montraient clairement qu'il était possible que le régime atteigne sa fin. Cependant, les services de renseignement russes avaient également observé des concentrations de combattants et des préparatifs pour une attaque contre Alep depuis la région d'Idlib. Bien que je ne sois pas au fait des détails, je suppose que la direction russe a entrepris certaines démarches politiques et diplomatiques après le début de l'offensive menée depuis Idlib en Syrie, d'où la tenue d'un sommet des ministres des Affaires étrangères à Doha. ما هي هذه الخطوات التي اتخذتها موسكو حسب ما يقال c'est la Russie qui a convaincu Bachar al-Assad de déposer ou de quitter le pouvoir est-ce que vous confirmez cette information لا هذا خطا بالعكس حسب non c'est faux au contraire et selon la déclaration officielle de la présidence russe l'autre partie a réussi à convaincre Bachar al-Assad de mettre fin à ses fonctions présidentielles sans que la Russie n'y participe. L'Iran également, puisque Ali Khamenei a tenté ces derniers mois de persuader Bachar al-Assad de profiter de plus en plus de l'aide militaire iranienne. À mon avis, les services de renseignement occidentaux lui ont garanti une fuite en toute sécurité avec les membres de sa famille. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a confirmé la présence de Bachar al-Assad en Russie. Pourquoi avoir pris autant de temps ? Alors, nous savons depuis au moins 3 jours que Bachar al-Assad et sa famille se trouvent à Moscou. Le président Poutine aurait décidé de leur accorder l'asile humanitaire. ولكن لم يصرح به مباشرة أي مسؤول روسي سيد نيكولا سوخوف. Si, l'agence de presse russe TASS a annoncé l'arrivée de Bachar al-Assad en Russie. Par ailleurs, nous savons que la famille al-Assad possède des biens immobiliers en Russie, notamment à Moscou. سيد نيكولا سوخوف سؤال أخير كيف ستتعامل موسكو مع الصور التي تبث والفيديوهات التي تبث حول الواقع الذي كان السائد داخل السجون السورية كيف ستتعامل روسيا مع كل هذه الفضائح التي بثت هناك روسيا الشعب وروسيا القيادة Il existe deux Russies celle du peuple et celle des dirigeants. Le peuple, témoin de ces événements, est évidemment effrayé et juge leur atrocité. Mais malheureusement, la majorité des Russes ne prête pas attention au Moyen-Orient en raison des graves problèmes internes auxquels la Russie est confrontée. Quant à la direction, elle choisira sûrement d'ignorer la situation. C'est le pragmatisme politique qui va prendre le dessus, Monsieur Sokhov. ممكن نقول هيك براغماتيزم بوليتيك او انديفيرانس الانديفيرانس الانديفيرانس هي بير كو لو براغماتيزم مسيو سوخوف
c'est plus pire. Monsieur Nicolas Sokhov, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Académie Primakov de Moscou. Vous avez été pendant de longues années en Syrie, un pays que vous connaissez fort bien. Vous connaissez le fonctionnement aussi bien culturel que politique du pays. Vous étiez avec nous à partir de Moscou, monsieur Nicolas Sokhov. Merci beaucoup. Merci à vous. Antonio Guterres se prononce sur la situation en Syrie et souligne qu'il faut une Syrie unie avec son intégrité territoriale pleinement rétablie. Le secrétaire général de l'ONU précise que son envoyé spécial discute avec tous les acteurs clés en Syrie de la voie à suivre, ajoutant qu'il fait entièrement confiance au peuple syrien pour pouvoir choisir son propre destin. Sur le terrain, les mouvements transfrontaliers restent minimes depuis Turquie et la Jordanie. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Damas a une chance remarquable de progresser vers la paix et de voir son peuple commencer à rentrer chez lui. Les réfugiés, une question centrale qu'évoque le ministre des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan. La nouvelle administration, la nouvelle Syrie ne constituera pas une menace pour ses voisins. Des millions de Syriens qui ont dû quitter leur pays peuvent maintenant retourner sur leur terre. Avec nous en ligne, Monsieur Lakhdar Brahimi, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été envoyé spécial et représentant de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie de 2012 à 2014. Monsieur Lakhdar Brahimi, doit-on parler d'une reconfiguration géopolitique régionale? Et quel rôle peuvent jouer les pays de la région? En Syrie, bien évidemment. Écoutez, vous avez trois pays de la région qui étaient très, très engagés en Syrie, la Turquie, l'Iran et les États-Unis. Trois États qui étaient très, très engagés à l'intérieur même de la Syrie. Plus, oui, évidemment, les différents groupes. Vous avez les Kurdes qui ont pratiquement pris le contrôle des régions qu'ils habitent dans le nord-est. Et vous avez les Druzes, par exemple, la Soueïda, qui n'étaient pas armés, mais qui contrôlaient quand même leur petite région. Vous avez les Alaouites, qui sont la base fondamentale du régime de la famille Assad. Et vous avez les Sunnites, la très très grande majorité de la population, qui était un petit peu ignorée et même, disons, soumise à toutes ces interventions de minorités local et d'États étrangers. Vous avez évoqué la Turquie, l'Iran et les États-Unis, mais la Russie, évidemment. Et la Russie, évidemment. La Russie, oui. Les trois pays, Russie, Turquie, Iran, ont créé le groupe d'Astana. Chacun de ces trois pays avait une alliance avec des gens en Syrie, mais il n'y avait pas d'alliance entre eux, tous les trois. Il n'y avait pas d'alliance entre la Russie, la Turquie et l'Iran. Ils cohabitaient en Syrie, mais chacun pour soi. Ils ne travaillaient pas ensemble. Ils avaient trouvé un équilibre. Je ne sais pas quelle sorte d'équilibre ils ont trouvé. On a vu, par exemple, quand les Israéliens se sont attaqués aux Iraniens très, très, très fort, ni la Russie, ni la Turquie n'ont bougé. Vous savez, la Syrie était une sorte de pays ouvert aux influences de qui voulait s'y intéresser. Vous avez aussi certains pays du Golfe qui se sont beaucoup, beaucoup intéressés. En ce moment, les gens qui sont arrivés à Damas et qui semblent se mettre en place, comme le nouveau pouvoir, ils ont des liens avec la Turquie et le Qatar. Mm-hmm. Simplement, Hayat Tahrir al-Sham, avec M. Abu Mohammed al-Julani, qui est leur leader, qui semble être les nouveaux maîtres de la Syrie, je crois qu'ils ne sont pas tout à fait seuls, qu'il y a d'autres organisations qui les ont aidés, qui ont participé à la conquête de la Syrie, qui a eu lieu. Et donc, on va voir un petit peu comment tout cela va évoluer. Tous ces gens-là vont évoluer les uns avec les autres. Monsieur Lakhdar Brahimi, le président américain sortant, Joe Biden, évoque une opportunité historique pour la Syrie. Comment réagissez-vous à ce propos?
avec tout le respect qu'on doit avoir pour le président des États-Unis. Monsieur Biden s'est rendu célèbre ces deux ou trois années par son soutien total, indéfectible, sans réserve, sans discussion à Israël et notamment à Netanyahou. Voilà ce que c'est que Monsieur Biden. Voilà. Monsieur Lakhdar Brahimi, vous avez été envoyé spécial et représentant de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie d'août 2012 à mai 2014. Vous aviez déclaré que les personnes qui ont les moyens de mettre fin à la guerre en Syrie ne sont pas prêtes à faire les concessions nécessaires. Vous l'aviez déclaré quand vous étiez chargé de cette mission. Les parties impliquées directement ou indirectement sont toujours présentes. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Écoutez, le monde entier, et je crois Bachar al-Assad lui-même, ont été surpris par les événements des deux dernières semaines. Personne n'a compris ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, et notamment ce qui est arrivé à l'armée syrienne. Bachar al-Assad, 3 ou 4 jours avant sa fuite, disait qu'il allait se battre. Et pendant ce temps-là, son armée était en train de refuser de se battre. L'armée, en réalité, a abandonné Bachar. Vous savez, je me souviens qu'en 1967, le président Nasser a parlé d'une crise cardiaque qui avait frappé l'armée égyptienne, qui s'est effondrée avant de combattre. Il s'est passé la même chose. Et il n'y a pas de doute que Israël a saisi cette occasion. Ils ont fait 300 frappes dans la Syrie. Ils ont détruit des chars, des avions, des missiles. Des sites stratégiques militaires. Des sites militaires de tous ordres. Et ils ont conquis un territoire syrien, voisin du Golan que Trump leur avait donné. Ils ont pris un territoire qui est plus important que Gaza. Tout à l'heure, nous parlions de cet échec de ne pas percevoir ce qui allait se passer en Syrie. Mais, monsieur Lakhdar Brahimi, tous les indicateurs étaient au rouge. Plus de 12 millions de Syriens, soit la moitié de la population, ont été chassés de chez eux au cours de la dernière décennie. 100 000 disparus. Les images qui aujourd'hui sont diffusées en boucle sur les différentes chaînes de télévision relèvent du désastre absolu, totalement inhumaine. Ce sont des indicateurs qui devaient alerter les différents pouvoirs politiques, monsieur Lakhdar Brahimi. Mais moi, je ne suis pas un pouvoir politique. En tant que simple observateur. Oui, bien évidemment. Je disais, je posais la question, car il n'y avait pas lieu que les différentes capitales se disent surprises ou offusquées par la rapidité des faits. Enfin, elles se sont dites surprises. À ma connaissance, la Turquie n'a pas dit qu'elle était surprise. Oui. Mais tous les autres pays, l'Égypte, la Jordanie, les pays du Golfe, les Américains, les Européens, tout le monde s'est dit surpris par la rapidité avec laquelle le régime s'est effondré et aussi la manière dont l'armée a cessé de combattre, a refusé de combattre. Vous savez, il y a eu une réunion à Doha. Oui. À Doha, en ce moment, il y a ce qu'ils appellent le Doha Forum. Et il y avait les ministres des Affaires étrangères de Russie, d'Iran et de Turquie. Oui. C'est-à-dire le groupe d'Astana. Oui. Qui se sont réunis ensemble à Doha. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette réunion. Ce qu'on a dit, c'est que la Russie et l'Iran, qui ont toujours soutenu le régime de Bachar al-Assad, se sont trouvés incapables de faire quoi que ce soit parce que l'armée n'existe pas. D'habitude, on aide un pays qui essaye de se défendre lui-même. Or là, l'armée a cessé de combattre et que donc aussi bien la Russie que l'Iran, chacune de son côté, parce que comme je vous ai dit, ils ne sont pas alliés ensemble avec la Syrie, chacun de son côté a dit on ne peut rien faire pour aider Bachar. Avant cet entretien, monsieur Lakhdar Brahimi, vous imaginez bien que j'ai feuilleté tous les entretiens, ou la quasi-totalité, on va dire, des entretiens que vous aviez effectués. Et comme dans une prémonition, lors d'un entretien, vous disiez ceci. Il n'a pas l'intention de s'en aller
Pas tout de suite, tout de même. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous indiquait que le pouvoir de Bachar al-Assad était, on va dire, condamné à arriver à un terme? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous me ramenez à une période qui s'est terminée en 2014, n'est-ce pas? Oui. Pendant cette période-là, j'ai vu qu'il était effectivement extrêmement bien renseigné sur ce qui se passait dans son pays et ce que ses ennemis à l'époque, c'est-à-dire les Occidentaux, quelques pays arabes, plus ses ennemis de l'intérieur, il suivait très bien ce que tout le monde faisait et il n'avait très certainement pas l'intention de céder. Avait-il connaissance de la brutalité dont faisaient usage, par exemple, les services de renseignement pour contrer la révolution qui était en cours? Avait-il connaissance des exactions commises? Je doute très, très, très fort qu'il ignorait quoi que ce soit. Je crois qu'il savait. C'est malheureusement un régime qui était extrêmement violent. Vous savez, c'est pas le moment de dire, je savais un petit peu qu'est-ce qui se passait dans les prisons. J'ai vu récemment un personnage politique communiste, Michel Kilo, oui, qui racontait que il y avait un gosse, le fils d'une prisonnière qui avait été violée. Ce garçon est né en prison. Et il a vu ce garçon qui avait l'âge de 6 ou 7 ans. Et on lui a dit de lui raconter une histoire. Alors il a commencé à lui raconter une histoire en lui disant, il y avait un oiseau et le gosse lui a dit, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau? Il n'a jamais vu le ciel ou la couleur du ciel. Oui. Il a essayé d'expliquer. Vous savez, on peut pas expliquer qu'est-ce que c'est qu'un oiseau. Bien sûr. Cet oiseau était, vous savez, c'est quelque chose qui vole, etc., qui était sur un arbre. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Voilà ce que c'est, ce qu'il y avait dans les prisons syriennes. Plein d'autres choses que j'ai entendues des familles de Syriens. C'est difficile de croire que M. Bachar al-Assad ignorait tout cela. Oui, d'autant que son frère Maher al-Assad était chargé des renseignements militaires. Chargé des mauvaises œuvres, oui. Bon. Vous savez, c'est un régime que Bachar et son frère, la Syrie leur appartient. Ils ont hérité ça de leur père. Eux croient qu'ils ont hérité ça de leur père et que la Syrie leur appartenait. Bon. Oui. Je crois que la majorité, la très, 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 très grande majorité des Syriens sont contents, y compris les Alaouites, certains des Alaouites, beaucoup des Alaouites, je n'en sais rien. Voilà, à propos de la composante sociétale de la Syrie. La Syrie, rappelons-le à nos auditeurs, ou précisons-le à nos auditeurs, compte environ 65% d'Arabes sunnites, 15% de Kurdes sunnites, 10% de Alaouites, 1% de chiites ismaéliens, 3% de Druzes et 10% de chrétiens. Cette composante sociétale pourra-t-elle échapper au clivage sectaire? Écoutez, la Syrie que nous avions connue dans les années 50 et 60 était une Syrie qui était plutôt fière de cette diversité. Vous savez, moi j'ai connu des amis syriens pendant des années et des années, je ne savais pas qui est-ce qui était chrétien, qui est-ce qui était musulman, encore moins qui est-ce qui était druze ou alaouite. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est, je crois que c'est plutôt 75% de sunnites et 25% d'autres communautés. Oui. Maintenant, bon, on va voir. Moi, j'aimerais quand même beaucoup que les pays arabes se réunissent pour parler de la Syrie, de les aider contre Israël. Mais la Syrie, vous savez, c'est un pays qui a du ressort. J'espère, je crois qu'ils finiront par se relever. Monsieur Lakhdar Brahimi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous avez été envoyé spécial et représentant de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie de d'août 2012 à mai 2014. Merci beaucoup, monsieur Brahimi, de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et mes salutations à vous et à vos auditeurs. On
ont participé à ce programme, Lakhdar Brahimi, envoyé spécial et représentant de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie de 2012 à 2014. Nicolas Sokhov, chercheur à l'Académie Primakov de Moscou. Ali Reza Mohammadi, coordonnateur de House of Wisdom, maison de la sagesse de Téhéran, think tank des affaires internationales iraniennes. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahel et Mariam Abdou. Vous a accompagné au micro, j'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité, à très bientôt, Inch'Allah.